Bon, ben, bonjour, donc je m'appelle Marie-Christine et je suis adhérente à l'UPR depuis mai 2016. Donc, et depuis 2019, j'assume les responsabilités du secteur de Béziers, donc comme déléguée adjointe au délégué départemental. Donc, comment je suis arrivée à l'UPR? Eh bien, c'est un ami qui m'a fait passer une conférence de Asselineau. Donc, j'ai écouté. Évidemment, bon, ça m'a accrochée, c'est vrai, depuis le début. Enfin, dès le départ, je veux dire. Par la personnalité de M. Asselineau, sa façon de parler, posément, d'expliquer les choses. Et surtout, ce qui m'a séduit dans les propos au départ, c'était la possibilité de sortir de la corruption dans laquelle on est. L'influence de l'Union européenne, je l'ai découverte avec lui. Mais disons que ben, la corruption, elle saute aux yeux de tout le monde. Donc moi, au départ, c'était ce que je cherchais dans un mouvement politique. Et ce fait de sortir de l'Union européenne par la voie légale, par les élections, c'était pour moi un moyen de se libérer sans passer par des actes de violence. Alors que ben, c'est vrai que les partis contestataires ou d'opposition officielle, ben, ils ont surtout des discours, ben, soit c'est contre les immigrés, soit il faut faire la révolution, soit... Et ben moi, ce fait de passer par la légalité, ça m'a séduit. Ça correspondait certainement à quelque chose qui était en moi au départ. L'indépendance, l'indépendance pour soi, mais aussi pour un pays. Donc tout ça, ça a fait que ben, je me suis sentie en concordance, on peut dire, avec ce que disait M. Asselineau. Les arguments qui sont posés et les solutions qui sont proposées me paraissent justes, me paraissent raisonnables, me paraissent atteignables. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que ben, tout ce qui... toutes les... comment dire... le manque de médiatisation, etc., ça nous fait énormément de mal. Mais, ben, charge à nous de nous défendre, de faire diffuser la vision UPR, ses objectifs, etc., etc. C'est sûr que c'est un travail difficile, mais c'est pas impossible. Ce qui s'est passé dans le courant de l'année 2020, avec les contestations au niveau de l'UPR, je dois dire que ben, dans un premier temps, j'ai été sidérée, un peu comme tout le monde. Hein, quand on vous annonce que le leader de votre parti, c'est un harceleur, enfin des choses comme ça. Mais ben, évidemment, j'ai voulu en savoir davantage. Donc j'ai bien écouté et j'ai bien lu tout ce que les amis m'ont transmis. J'avais des amis qui n'étaient pas convaincus par les contestataires. J'en avais d'autres qui l'étaient. Je ne me suis jamais privée d'écouter les uns et les autres parce que je voulais être sûre de mon fait, bien sûr, mais au fur et à mesure que j'ai écouté, je n'ai jamais été convaincue par les contestataires. Ça, c'est une certitude. J'ai lu les mails qu'ils ont diffusés, les mails privés, qu'après je n'ai pas pu retrouver sur Internet, ils ne sont pas restés longtemps. Mais ce que j'ai vu dans ces mails, c'est effectivement... une relation privée dans un message, mais je ne voyais rien de répréhensible là-dedans. Quand on parle de harcèlement, ben, le harcèlement au point de vue juridique, c'est bien défini. Il suffit pas de dire à quelqu'un oh, ben, je t'aime bien, j'ai envie d'être avec toi, je passe des bons moments, machin. Ça, c'est pas du harcèlement. Hein. Et donc, ce qui était écrit dans ces mails, ça m'a pas du tout convaincue qu'il y avait matière à faire tout le foin qu'il faisait. Après, bon, mais j'ai continué parce que ça a duré quand même de fin avril, si je me souviens bien, jusqu'à courant mai, jusqu'à l'élection, jusqu'au congrès, quoi, en somme, jusqu'au mois de juillet pratiquement.
J'ai cherché un argument qui puisse me faire dire qu'ils avaient peut-être raison. Bon, cet argument, pour moi, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, à mes yeux, je ne l'ai pas vu. Donc, j'ai décidé de ne pas, jeter, ce qu'on dit, l'eau du bain avec le bébé. Et donc, je me suis dit, ben, s'il y a une histoire légale, eh ben, c'est les juges qui doivent en tirer la conclusion, avoir le dernier mot, et moi je ne vais pas me mettre à la place d'un juge. Ça, c'est une chose. Ensuite, on voyait bien dans les discussions qu'à chaque fois, ça démarrait peut-être sur le plan du harcèlement, du comportement de Asselineau, mais ça déviait très vite sur le fait que ces personnes étaient convaincues que M. Asselineau n'était pas à sa place, qu'il ne pourrait pas mener son mouvement jusqu'au bout, etc., etc. Donc ça, c'est deux arguments complètement différents. Vouloir remplacer M. Asselineau, ben, il pouvait en avoir envie, mais là, ça s'affrontait à mon jugement à moi. Et mon jugement, c'est que quelqu'un qui crée un parti, il n'y a personne d'autre mieux placé que lui pour rester dans la veine de sa façon de voir, de son jugement. Plutôt que quelqu'un d'autre qui viendrait s'y greffer après, et soi-disant avec des moyens de communication qui seraient meilleurs, etc. Pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Pour moi, tant que M. Asselineau est en vie et tant qu'il veut faire ce travail, il est le créateur de l'UPR, donc il n'y a aucune raison de l'évincer pour aller prendre sa place et profiter du travail qu'il a fait depuis 13 ans. Donc je trouvais ça tout à fait malhonnête. Et donc je n'ai pas adhéré à ce mouvement de contestation, voilà. Pour moi, il faut garder l'objectif majeur de l'UPR en vue. Il faut pas se laisser distraire par des petites mesquineries, des petites rancunes internes à n'importe quel groupe humain. Voilà, moi je suis pas là pour dire que il est peut-être autoritaire ou il est peut-être ceci ou cela, mais pour moi en tant qu'adhérent, ça n'entre pas en ligne de compte. Moi j'adhère à l'UPR parce que je pense que cet homme a les capacités de faire ce qu'il dit et aussi qu'il a une vision des choses qui est valable, quoi. C'est tout ce que je regarde. Après, ses défauts personnels, moi, je ne veux même pas en entendre parler. C'est pas mon projet. Après, qu'il soit autoritaire, ben heureusement qu'il y est, parce que sinon, je pense qu'il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait en 13 ans, quoi. Et tous ces gens qui ont voulu l'évincer, se mettre à sa place, ils n'arrivent même pas à la cheville, quoi. Et alors, bon, chemin faisant, j'ai quand même voulu écouter les vidéos de ceux qui se présentaient pour le remplacer. Ben alors là, j'ai éclat de rire, quoi. Hein. Quand j'ai entendu qu'il y en avait un qui proposait ni plus ni moins qu'on renonce à l'élection présidentielle, ah bon, ah c'est ça, sauver l'UPR, d'accord? Et puis qu'on se raccroche alors il dit exactement n'importe quel parti qui promettrait de faire un référendum sur le Frexit, ça, c'est pas tuer l'UPR. Non. Non. Bon alors, terminé. J'entends les réclamations concernant davantage de démocratie au sein de l'UPR, mais là encore, il se trouve que je ne suis pas d'accord. J'en ai discuté avec des amis du groupe de Béziers. Pour moi, la démocratie, telle qu'on l'entend au niveau d'un pays, c'est normal puisque lorsqu'un président est élu pour gouverner un pays, il devient président de tout le monde, pas seulement de ceux qui l'ont élu. Donc la démocratie, c'est évidemment de laisser s'exprimer également ceux qui ne vous ont pas élu, qui ne sont pas d'accord avec votre vision des choses, de les laisser s'exprimer, peut-être éventuellement de s'en inspirer si ça ne va pas trop à l'encontre de ce que la majorité a choisi. Mais au sein d'un parti, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? Un parti, on ne vous l'impose pas. Un parti, vous y adhérez parce que son programme,
ou sa vision des choses vous convient. Donc, la démocratie, ben oui, oui, ça peut être d'exprimer ses idées pour faire diffuser le programme, etc. D'accord. Mais si ça veut dire de refonder le programme, de changer telle et telle chose qui avait été définie et à laquelle vous avez adhéré au départ, c'est plus de la démocratie. C'est que vous n'êtes plus d'accord avec le parti. Si vous voulez faire autrement ou si vous voulez faire autre chose, eh ben vous allez ailleurs, qui convient mieux à vos convictions. Donc je vois pas ce que ces gens cherchent à travers cette idée de dire on veut plus de démocratie. Je pense qu'ils confondent qu'est-ce que c'est un parti et qu'est-ce que c'est un pays. On est à la veille probablement d'une nouvelle annonce pour un confinement. Donc j'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut se préparer certainement à des temps difficiles, mais qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut rester, comment dire, en lien avec les autres par les moyens dont on dispose, donc Internet, etc., la messagerie, les vidéos, et de se rapprocher peut-être de l'UPR parce que c'est une famille. Dans les moments de doute ou même sans doute, hein, je suis pas assistante sociale, mais on est disponible, on peut discuter et ça fait du bien de se réchauffer comme ça entre personnes qui ont les mêmes idéaux, qui veulent l'indépendance de la France, parce qu'actuellement, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que la grosse majorité a bien compris que toute cette histoire de Covid, ce ne sont que des mensonges. Qui nous viennent des oligarques au-dessus de nous, hein, qui agissent à travers l'Union européenne, pour le continent européen, et il faut pas les laisser faire, et surtout, il faut pas leur laisser il faut pas leur laisser croire que on a perdu l'espoir, voilà. Et tous les alarmistes, toutes les personnes qui disent qu'il va y avoir la guerre civile et puis ça va être terrible, j'ai envie de leur dire oui, c'est vrai, certainement, que si vraiment ces gens-là continuent leur programme, s'ils arrivent à nous priver de tout ce qu'ils ont envie, il y aura des violences, forcément. Mais moi, j'ai envie de dire, la nature, elle n'est pas faite comme ça. Elle n'est pas faite que de violence, elle n'est pas faite que de négativité. Dans la nature, il y a le yin et il y a le yang. C'est les amis chinois de François Asselineau qui le disent. Et que ben, si une certaine partie de la population aura tendance naturellement à réagir par la violence, je suis certaine qu'il y en aura une autre qui réagira par la solidarité, par le partage, par l'entraide. Et ça va se développer. Si vraiment on manque de tout, comme ils sont en train de nous le préparer, eh ben ça sera le moment de se rapprocher en famille, entre amis, entre réseaux, UPR ou autres, pour s'entraider. Et il n'y aura pas que de la violence, voilà. Et si on peut s'en sortir d'une manière, ça sera grâce à ça, à la solidarité, à l'entraide, voilà. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. De ne pas avoir peur. Merci beaucoup, Marie-Christine. Voilà. Et puis, dernière phrase, c'est une phrase que j'adore. Elle m'est inspirée par un ami qui me dit « Pour l'amour de la France libre, vive l'UPR ».